jeu avec deux ballons, déroulé du pied, stretching, étirement sur les côtés quand on attend son tour. Synchronisation du saut avec les ballons dans les mains, montée du genou, déroulement de la cheville au sol. Course plus rapide avec dribble alterné. La fréquence de dribble est maximum. Les dribbles, évidemment, se situent sur les côtés. Dribble alternatif, talon-fesse sur la première partie. À partir du milieu du terrain, dribble alternatif toujours, mais avec la montée des genoux. Première montée de genoux, soubresaut, genou au-dessus du bassin. Thank you.
travail d'assouplissement des chevilles, échauffement des chevilles sur la deuxième partie en godille, les deux appuis, arrêt un temps à chaque fois, et on se décale, souplesse. Notez la coordination des dribbles avec la pose des appuis ici. Tout ce travail s'effectue en regardant le moins possible son ballon. Course très fléchie, ballon alternatif au sol, à très grande vitesse si possible. Cela nécessite une vitesse de bras aussi rapide que la vitesse des jambes. Tête levée toujours, le regard face à l'autre. Si je perds la balle, ce n'est pas grave. Travaille avec un seul ballon. L'idée de travail dans un tunnel. Le ballon est sur le côté, je suis très fléchi, je passe dans un tout petit tunnel. Le bras est en protection à l'avant, coude cassé. Le bras est cassé devant, le coude en avant avec l'avant-bras. Je n'attaque pas en crabe pour autant, mes appuis de course sont vers l'avant. C'est une course normale, mais non. Mais ma ligne d'épaule est orientée vers le côté pour me protéger de l'attaque d'un défenseur. Avant-arrière. Reculer sur un ou deux dribbles. Ce travail s'effectue sur la main faible. Assumez les règles.
Regarde vers l'avant, jamais le ballon dans l'œil. N'oublie pas les stretches dans les colonnes, on se stretch en attendant. Gagner le temps d'étirement pendant les exercices. Fléchi. Appui très large. J'attaque talon pointe sur le premier appui. Talon pointe sur le premier appui. La tête précède mon reverse. Je dois toujours regarder où je me déplace, dans quel sens je me déplace. Le dribble reste entre les appuis. La balle est en arrière. Dribble de protection. Démarrer doucement cet exercice pour bien étirer les adducteurs. Si Miguel avait une attitude beaucoup trop basse avec la ligne d'épaule. Regardez comment Loïc n'est pas trop fléchi, mais sa ligne d'épaule est très basse. Il faudrait ici être beaucoup plus assis et le dos plus droit. Le dribble est ici beaucoup trop haut, le dribble ne devrait pas dépasser la ligne des genoux. Regardez comment le regard est détaché du ballon. Jamais regarder son ballon. Regardez comment Miguel regarde son ballon et ne regarde pas dans la direction où il va. La tête ne précède pas le corps. Donc là, c'est faux. Il doit encore améliorer ça. Thank you.
qu'on appelle la cascade de dribble. Un dribble en reverse, un dribble dans l'entrejambe, un dribble dans le dos. Sans regarder le ballon et toujours en attitude fléchie. Moins le ballon va remonter au-dessus du bassin, plus le dribble sera efficace. Alexia Jansa, 2m14, travaille sa dextérité. Aussi bien meneur qu'intérieur, ce travail est intéressant pour la manipulation du ballon. Plus je suis à l'aise avec la balle, plus je me détache mon regard du ballon, plus je suis capable de jouer dans un collectif à 5 joueurs. Et on change l'ordre des consignes. Entre les jambes, reverse dos. Plus vous progresserez, plus vous devez enchaîner les situations, les varier pour réveiller. Là, le ballon est systématiquement regardé par le joueur. Ce n'est pas juste. Ne jamais regarder la balle. Vitesse d'exécution excellente. Manque d'amplitude par contre. Ceci n'est pas un échec. Il vaut mieux essayer de ne pas regarder la balle, quitte à la perdre. Au fur et à mesure des répétitions, on perdra de moins en moins la balle. On travaille dans l'efficacité. Si je regarde ma balle mais que je n'échoue jamais, je ne peux pas progresser. Et on continue à s'étirer dans les colonnes en attente. C'est du temps gagné sur l'entraînement. Vous constatez ici beaucoup d'erreurs. Le problème, ce ne sont pas les erreurs, c'est de les répéter. Sans regarder la balle, Mike. Tu vas regarder, hein. Un dribble latéral
un entrejambe, un dribble latéral, un entrejambe. Ça, c'est très fléchi. On travaille en même temps la musculation des fessiers, des cuisses, pour pouvoir tenir une position fléchie le plus longtemps possible. Travail de coordination, vitesse de la pose d'appui vers l'avant et du passage du ballon entre les jambes, coordonné, un geste assez complexe. Miguel évolue en crabe ici, on voit qu'il désaxe les épaules et que son pied met du temps à venir vers l'avant. Slide défensif avec ballon. Le ballon reste derrière le corps et jamais je ne le regarde. Jamais je ne le regarde. Ici, l'entraîneur intervient beaucoup sur le regard. On doit observer obligatoirement le joueur qui est dans notre colonne. On doit regarder le joueur qui est dans notre colonne. Intéressant travail. Une balle perdue, mais qui n'est pas très grave. Le travail est effectué. Je ne regarde pas mon ballon. Je ne me rassure pas en regardant mon ballon. Bon travail de Miguel ici. Grosse application du tout dans le travail. La tête observe tout le temps son vis-à-vis. Le regard est vers le partenaire. Loïc tourne la tête pour récupérer la balle sur sa main gauche. Sur sa main droite, pardon. Baseball pass à une main, sprint, recevoir la balle, s'arrêter un temps, fin de départ direct. Pivoter, reverse. Remarquez comment le ballon est toujours en protection et la balle n'est jamais dans l'axe du corps. On imagine qu'il y a un défenseur ici, mon ballon doit être protégé. Quand je pars en dribble, sur le départ en dribble, ici, le ballon doit passer sous la ligne des genoux. Le ballon doit passer sous la ligne des genoux, là. Très bon. Un dribble et l'arrêt un temps pour terminer. Exercice très complet où on allie la passe, les arrêts, la protection du ballon, le travail du pivoté
très riche. Qualité de la fin de tir. La fin de tir est un tir qu'on ne prend pas. On doit appliquer les mêmes appuis, la même qualité d'appui que sur un vrai tir. On travaille les feintes ici. Fin de départ direct, fin de tir, départ. Fin de départ, fin de tir, départ croisé. Fin de départ direct, fin de tir, départ croisé. 1, 2, 3. Il s'est relevé sa fin de tir. Restez fléchi, feinte fléchi. Toutes les feintes sont fléchies, le départ est fléchi. Attention au pied de pivot, erreur de Loïc. Changement de pied de pivot, marché. Un seul pied bouge. L'épaule est sur le genou sur le départ croisé. L'épaule est sur le genou sur le départ croisé. Je dois passer le défenseur au niveau de sa hanche. Là, le timing des feintes est mauvais. La fin de départ direct doit être faite avec le ballon qui suit le pied. La fin de départ direct doit être faite avec le ballon au pied. Voilà. Intéressant. Ce groupe-là a plus de 3 ans de travail en commun. Ce groupe-là débute cette année. Si je mets les deux en parallèle, on voit une différence de travail. Challenge boisson. Pour aller boire. Thank you.
passe à deux mains, réception à deux mains, 4 passes maximum, marquez le lay-up. Aller-retour, 2 sur 2, on peut aller boire. Si on ne réussit pas 2 sur 2, on continue jusqu'à la réussite pour aller boire. Le ballon doit brûler les mains, les passes doivent se faire le plus vite possible. Le plus vite possible, je ne garde jamais la balle dans les mains. Ça c'est beaucoup trop lent, bonne finition. Très rapide, très rapide, très rapide. Très rapide. Bonne vitesse pour des cadets première année. C'est excellent. On doit aller beaucoup plus vite sur les prises d'appui avant le shoot. Ne pas ralentir au moment de shooter. Voilà, mais accélérer comme vient de faire Michael. La taille n'est pas un problème. La taille n'est pas un problème. Deuxième passage. 1 sur 2 au premier passage. On devrait réussir 2 sur 2 pour aller boire. Un joueur tout seul, challenge individuel. Sprinter, pousser la balle vers l'avant, s'arrêter, shooter.